Vous avez eu du temps très souvent pour parler de cette doctrine sociale de l'Église, mais aujourd'hui nous allons revenir sur cette déclaration des évêques et nous allons jeter un coup d'œil sur quelques passages de cette nouvelle déclaration. Donc tout d'abord, à propos de la pandémie, la déclaration invite à la solidarité. Sous quelle forme doit se manifester cette solidarité ou quelle doit être la forme de cette solidarité? La forme, elle ne peut pas être standard. Ça demande de la créativité grâce à l'intelligence, à la raison, à la foi de chacun d'entre nous. En réalité, la charité est toujours inventive. Donc ça commence au niveau élémentaire, à savoir les familles. Partout où il y a des chrétiens, ils vivent en famille. Alors, la solidarité doit se dessiner à ce niveau. Dans les béabas, partager par exemple la nourriture, donner même l'eau gratuitement. Ça va maintenant à un niveau plus local, le quartier. Il y a des quartiers de Lomé où il n'y a pas d'eau courante. Mais certains chrétiens, par exemple, ont réussi à faire un forage chez eux. Et habituellement, ils vendaient l'eau. Ça peut être un acte de charité de se dire, en cette période de Covid où on a besoin de plus d'eau pour se laver les mains et tout, je ne vais plus vendre l'eau. Puisque j'ai déjà payé mon forage, pendant ce temps, je donne de l'eau. C'est une charité. Ça peut être que dans mon quartier, je sais qu'il y avait déjà une veuve, avait peut-être 4 enfants. Et déjà, la situation était difficile. Mais maintenant, cette femme ne peut plus aller vendre normalement. Et alors que moi, j'ai peut-être 1 kilo de riz, je peux lui donner 250 grammes. C'est de la charité. Et maintenant, cette charité basique peut être organisée aussi de façon institutionnelle. C'est ainsi qu'une organisation comme celle que nous appelons Caritas dans l'Église, qui est à la fois paroissiale et diocésaine et même nationale, essaie de faire ce qui peut être fait aussi. Mais en dehors de cela, c'est tout ce que chaque diocèse, chaque paroisse, chaque communauté religieuse essaie de faire. Une force et une faiblesse de nos actions, c'est que nous ne publions pas ce que nous faisons. Parce que Jésus a dit que ce que ta main droite fait, que la main gauche ne le sache pas. Je vois des fois sur les réseaux sociaux, dès que quelqu'un donne des bavettes, c'est la télévision, c'est des reportages, dès qu'on donne un morceau de ceci. Ce n'est pas la façon de faire de l'Église catholique. L'Église catholique pose ses actions de charité de façon discrète, parce que le pauvre mérite respect. Dans le pauvre, il y a Jésus-Christ. On ne peut pas afficher le pauvre et l'exposer. Voilà un peu, mais les façons d'être charitable, c'est multiple. Mais de la famille, passant par le quartier, remontant jusqu'aux paroisses et dans les diocèses, et alors ça prend plusieurs niveaux. Cet appel à la solidarité, on le sait que dans les différents quartiers ou dans les différentes communautés, il n'y a pas que les fidèles chrétiens catholique, mais il est dit souvent chez nous que ce n'est pas tout comme manger durant la famine. Et on sait que là, nous sommes carrément en temps de famine. C'est les mêmes principes au niveau de l'Église. Mais prenons des exemples concrets. Est-ce qu'un fidèle chrétien catholique, par ces temps difficiles, peut par exemple prendre ce que distribue un incroyant et un voleur ou quelqu'un qu'on sait qu'il est véritablement un pécheur? Est-ce que le chrétien catholique peut prendre ce qu'il distribue? Alors, il faut faire très attention. Je distingue le pécheur du voleur. Si j'ai les preuves que ce qu'on est en train de me donner vient du vol, je dois m'abstenir. Parce que prendre, c'est participer, c'est devenir complice. Mais si on prend pécheur, qui n'est pas pécheur? Même le prêtre qui doit donner, c'est un pécheur. Mais ici, on ne peut pas dire non parce que celui qui distribue, c'est un pécheur. Si on a la preuve qu'il a volé, si on a la preuve qu'il vient d'assassiner quelqu'un, il a pris l'argent, il vient le partager, le chrétien catholique doit dire non parce qu'on ne peut pas contribuer au crime. On ne peut pas être complice du mal. Mais si c'est des organisations qui partagent, par exemple, quelqu'un va me dire, ah, il y a des organisations, même au niveau international, qui ne sont pas pour la promotion de la dignité des Africains. Et ils sont peut-être en train de faire une œuvre de charité. Je ne sais pas si les gens ont les critères nécessaires pour dire non à ça. Mais je crois que chacun doit obéir à sa conscience. Parce que,
en dernier recours, tous nous avons la conscience. Et la conscience bien formée grâce à l'éducation et à la foi. Et donc, nous avons aussi ce qu'on appelle le sensus fidei, c'est-à-dire ce que l'Esprit Saint nous révèle comme bien que nous devons accomplir. Par rapport à ça, il revient à chaque catholique ou chrétien pauvre ou croyant pauvre de discerner. Donc, nous sommes ici sur le terrain de discernement. Ce qu'on distribue là, est-ce que ça respecte ma dignité? Si ça ne respecte pas ma dignité, si ça ne respecte pas ce que le Christ m'a enseigné, je peux m'abstenir. Mais il faut reconnaître que devant la misère, l'être humain devient incapable de pratiquer les vertus. Voilà pourquoi saint Thomas d'Aquin a dit, il faut un minimum de bien naître pour pouvoir être vertueux. Quand quelqu'un a faim et est en danger de mort, il mange tout. On ne peut plus dire qu'il n'a pas discerné, il n'a pas réfléchi. Il perd le discernement. Il perd, mais ce n'est pas un péché pour lui. C'est comme dans certaines guerres, que Dieu me pardonne. Les gens sont allés jusqu'à manger de la chair humaine. Parce que, vraiment, ils sont dans l'abîme de la misère. On ne peut pas les juger. Mais dans les mêmes situations, tu verras quelqu'un, au nom de sa foi, va préférer mourir de faim que de manger cela. Donc le discernement ne disparaît pas totalement. On ne peut pas parler comme cela, puisque nous fêtons des martyrs. Les martyrs, c'est des gens qui pouvaient accepter des compromissions pour vivre. Mais ils ont dit non aux compromissions et ont préféré déposer leur vie. Donc même dans la misère la plus noire, la conscience est là. Mais je dis simplement que habituellement chez l'être humain, quand la misère semble être totale, il est plus difficile de pratiquer les vertus. En parlant des vertus, vous avez fait allusion aux martyrs. C'est vrai que ce 21 juin, il est célébré au plan national, les martyrs. Mais quelle est la compréhension des martyrs au plan religieux, catholique? En tout cas, le concept même vient du monde religieux. Aujourd'hui, les martyrs que nous célébrons, on peut dire que ce sont des martyrs civils. C'est-à-dire, c'est la nation qui reconnaît que ses fils et filles ont dû déposer la vie pour que la nation existe. Et quand on regarde, par exemple, sur le site du gouvernement, on voit bien que cette fête des martyrs prend essentiellement en considération ceux qui ont déposé leur vie pour que nous puissions accéder à la souveraineté nationale ou à l'indépendance. La question, c'est de savoir, est-ce qu'ils sont les seuls martyrs? Bien sûr que non. Des Togolais déposent régulièrement leur vie, soit pour la démocratie, soit pour la justice, soit pour la vérité, bref, pour les valeurs. Mais le martyr, dans le sens chrétien, l'expression elle est religieuse, on les appelle encore des confesseurs. C'est des hommes et des femmes qui ont réalisé ce que les apôtres disent dans le livre des Actes des Apôtres, c'est-à-dire, nous préférons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et déjà à l'époque apostolique, vers l'an 40, quand Jésus est déjà monté au ciel, c'est d'abord des Juifs qui ont commencé à persécuter les apôtres. Saint Jacques, par exemple, est mort martyr. Avant lui, on connaît le martyr de Saint Jean-Baptiste, du vivant de Jésus. Parce que justement, Jean-Baptiste a dit à Hérode, tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. C'est de l'inceste et c'est de l'adultère. Pour ça, on lui a tranché la gorge, on lui a coupé la tête. Mais Jean-Baptiste, en tant que prophète, a préféré dire ça. Après, Jésus lui-même est un martyr, puisqu'il a dit la vérité, pour ça on l'a arrêté, on l'a accusé de tout, on l'a mis à nu, on l'a crucifié comme un vulgaire bandit et à travers des souffrances atroces. Il a été enseveli, il est ressuscité. Donc à sa suite, pendant plusieurs siècles, du temps où Jésus a vécu et est monté au ciel et l'âge apostolique, les premières communautés chrétiennes jusqu'au 13 juin 313, les chrétiens dans l'Empire romain ont été massivement tués. Des gens amputés, des gens qu'on a passés dans l'huile surchauffée, des gens qu'on a jetés au lion et tout ça. Et ces personnes ont préféré mourir que de renoncer à leur foi. Et donc les martyrs, c'est ceux qui ont témoigné de leur foi jusqu'au don
total et joyeux de leur vie. Alors, mais on peut trouver dans l'Ancien Testament des martyrs, hein, même dans la Bible, il y a le livre des Maccabées, il y a deux livres des Maccabées, qu'on appelle aussi le livre des martyrs d'Israël. Et du coup, le martyr traverse nos religions comme engagement ferme et total pour la foi contre toute autre forme de compromission. Le martyr lié aux indépendances, depuis les indépendances, le Togo s'est engagé dans le processus démocratique et vous savez très bien que un certain nombre de Togolais aussi ont donné leur vie pour leurs idées. Bien sûr. Et cela, est-ce que les martyrs qu'on célèbre aujourd'hui, est-ce qu'on ne doit pas étendre cette célébration à ces martyrs qui sont tombés depuis les années 90? Moi, je vais même plus loin. Si on essayait d'asseoir notre histoire, tous ceux et celles qui ont laissé leur vie pour défendre une valeur, la nation doit pouvoir les reconnaître comme martyrs. Au point où on voit à certains endroits sur la terre des monuments aux martyrs inconnus. Parce qu'on estime que pour qu'une nation puisse tenir et vivre l'harmonie, des gens ont dû se sacrifier. Je n'ai pas en tête les recommandations de la CVJR. Mais la CVJR a relu notre histoire, je crois, de 1948 à 2005. Et en relisant cette histoire, si on reste simplement fidèle au rapport de la CVJR, on doit pouvoir étendre cette fête à des gens qui sont morts pour la nation. Des corps retrouvés dans la lagune de Baie, ils sont martyrs ou non. Des gens qui sont morts parce qu'on a tiré sur eux à Soudou, ils sont martyrs ou non. Des jeunes qui manifestaient, on a tiré sur eux, des enfants. Hein, Anselme, Douty, Jojo, tout ça, est-ce qu'ils sont des martyrs ou non? Et récemment encore, le jeune Mahomet, est-ce qu'il est martyr ou non? Ce jeune qu'on a tabassé jusqu'à ce que Mons s'en suive à Dakma, mais est-ce qu'il est martyr ou non? Je crois que la notion de martyr au niveau civil, ce n'est pas à moi de les décréter, mais dans ma foi, au nom du principe « tu ne tueras pas parce que la vie est sacrée et inviolable », j'estime que toute personne à qui on a ôté la vie de façon criminelle, de façon grave et inacceptable, quelque part participe d'une manière ou d'une autre aux martyrs parce qu'on a dû verser leur sang et eux-mêmes certainement portaient des valeurs qui structuraient leur vie. Cela dit, je peux exagérer, mais on peut se demander est-ce que le colonel Toussaint est martyr ou non. Je ne sais pas, les auditeurs, auditrices nous le diront. C'est des questions que vous posez. Revenons à la déclaration des évêques. Cette déclaration a consacré également une partie à la situation sociopolitique. Et cette déclaration persiste que la dernière élection présidentielle a été marquée par de nombreuses irrégularités. En réalité, beaucoup ont pensé que la page des élections, elle est tournée. Visiblement, pour les évêques, cette page n'est pas totalement tournée. Je crois que quand les évêques parlent, beaucoup doivent comprendre qu'ils sont dans la dimension prophétique. Le prophète ne peut pas se taire devant le mal. Si les élections qui ont eu lieu ont été des élections crédibles et transparentes, il n'y aurait pas de contestation. Et les évêques ne peuvent pas se taire. Parce que il y a un problème à ce niveau. Je crois que le chef de l'État, nos ministres, nos députés, les membres de la CENI, les membres de la Cour constitutionnelle, si chacun, ceux qui disent qu'ils ont gagné, que ce soit la dynamique de Monseigneur Podo ou d'autres formations politiques, si chacun se mettait devant sa conscience et devant Dieu,
et laisse tomber tout ce qui est intérêt de ceci, stratégie politique. Est-ce qu'ils peuvent dire devant Dieu, devant leur conscience, nous avons eu des élections limpides, claires, et que les résultats qui ont été proclamés ont été effectivement l'expression des Togolais? Moi, j'aurais été très heureux que quand certaines institutions ont demandé de recompter les voix, bureau de vote par bureau de vote, pour qu'une fois, on puisse se jeter en plein visage aux gens qui, à tort ou à raison, disent qu'ils ont gagné, on aurait pu recompter. Et tout le peuple sera témoin pour applaudir avec toute son énergie le gagnant. Et ce gagnant peut être le chef de l'État, peut être une autre personne, mais cette personne aura la crédibilité et l'onction du peuple. Je peux dire humblement, avec un grand respect pour nos autorités, qu'à ce jour, ce n'est pas le cas. Et tous les Togolais ne peuvent pas dire sincèrement devant leur conscience, devant Dieu, que, oh, pour une fois au Togo, on a eu des élections présidentielles où vraiment, celui qu'on a proclamé est celui que nous avons choisi. On aurait pu vérifier les choses et enlever ce doute du cœur des Togolais. Malheureusement, ça n'a pas été. Ce que vous appelez le doute, c'est devenu véritablement une tradition, puisque depuis les années 90, à chaque élection, on assiste au même scénario. Il y a quelqu'un qui est déclaré vainqueur, et puis derrière, quelqu'un qui conteste, et puis la conférence des évêques sort une déclaration, comme c'est visiblement le cas. Et puis aussi d'autres structures qui portent des réserves. C'est devenu une tradition. Que faut-il pour qu'on puisse briser cette chaîne-là? Bon, les évêques ont essayé de proposer des choses qui reprennent des éléments qu'on retrouve déjà dans l'accord politique global, qu'on retrouve dans les recommandations de la CVJR. Et je peux simplement lire ici ce qu'ils ont, écrit comme un chemin indiqué. C'est le lieu de rappeler que sans une sérieuse réforme du cadre électoral en vue d'élections libres, transparentes, crédibles et paisibles, la démocratie ne peut pas réellement fleurir au Togo. De même, tant que la vie sociopolitique sera dominée par l'armée, que les pouvoirs législatifs et judiciaires ne seront pas réellement indépendants, tant que la corruption et l'impunité continueront de prospérer sur la terre de nos aïeux, les tensions ne pourront pas réellement s'apaiser. Par ailleurs, tant que le mensonge sera utilisé, en particulier dans les médias et les réseaux sociaux, comme stratégie de déstabilisation des personnes et des institutions, tant que la ruse sera employée comme moyen de conquête et de conservation de pouvoir, enfin, tant que la violence ne sera pas condamnée et enrayée, les auteurs et les commanditaires sanctionnés, les remous politiques seront inévitables dans notre pays. Moi, je dirais simplement que les évêques rappellent qu'il faut une bonne volonté de la part des acteurs politiques, de la part du pouvoir, de la part de ceux qu'on appelle communément opposants ou autres, et de la part de nous citoyens. Il y a trop de mensonges. Comment vous pouvez imaginer qu'on a eu des images durant la campagne électorale où il y a des millions, on a applaudi tel ou tel autre candidat, on a dansé pour lui. Et puis, la COVID-19 vient et on découvre que dans ce milieu, le premier cas, il n'y a même pas une salle pour pouvoir l'isoler. Et il y a contradiction. Comment on peut comprendre que des émigramans ont pu faire des escortes à des candidats et autres, et puis peu de temps après, ça soit la guerre autour de nos Vichy, 12 500. Ah ben vous savez très bien aussi qu'entre les périodes électorales dans nos pays, vous savez ce qui se passe d'habitude. C'est des périodes assez particulières. Oui, mais partout dans le monde. Parce que quand on est dans cette période, on va à la conquête des citoyens pour qu'ils puissent vraiment donner mandat. Mais on ne peut pas faire ça dans le mensonge.
On ne peut pas faire ça en jouant sur la misère des populations. Excusez-moi. On disait durant la campagne qu'il suffit de distribuer 2000 et puis c'est fait. Mais peut-être qu'au nom de la grande misère dont je venais de parler, les gens ont pris 2000. Mais depuis qu'ils ont pris 2000, est-ce qu'ils peuvent mieux se soigner? Est-ce qu'ils ont davantage accès à l'eau potable? Est-ce que aujourd'hui, ils peuvent espérer voir et éclore des possibilités de travail pour ce qui concerne les jeunes, ainsi de suite. Mais vous savez, ce n'est pas nouveau. Ça, ce n'est pas nouveau pour le Togo. Ce n'est pas nouveau pour le Togo.